Ah, je vais seulement tenter. Et si ça ne tient pas, je pars au Canada. Il y a la plupart, 80 ou 90% des Africains que je vois ici sont très indécis. Ils sont très. La première des choses, j'ai remarqué cinq choses. Ces cinq choses-là, ce sont parmi les choses qui font que les gens fuient les États-Unis. On les donne une maison gratuite pour s'asseoir. On les donne à manger gratuit. Une maison même des 5 étoiles. Hôtel de 5 étoiles, maison, manger, carte même de crédit pour acheter les aliments. Et parfois, s'il y a aussi des petits coups de main que les gens même. Salut la famille, salut, je m'appelle El Kabeya, je suis ici aux États-Unis. Aujourd'hui, on va parler de nombre de migrants quittent les États-Unis pour aller au Canada parce qu'ils n'ont pas réussi aux États-Unis. LKB, qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends un peu une seconde. Laisse-moi un peu ouvrir ça. De nombreux migrants ou de nombreux immigrants ou de nombreux immigrants quittent les États-Unis pour aller au Canada parce qu'ils n'ont pas réussi ici aux États-Unis. Cette vidéo, personne a déjà pensé sur ça. Moi, je suis la première personne de penser sur ces sujets ici. Les jus ici, c'est vraiment très naturel que ça reste un peu. Tu vois, quand tu prends les jus naturels, ça reste. Tu vois le. Tu, ah, non, il ne faut même pas parler de ça même. Le goût même du jus, ça reste le même. Mais il y a les goûts, les jus là en Afrique. Tu prends le jus en Afrique comme ça. Tu prends les jus, mais tu sens même si c'est. Tu sens comme si c'est l'eau même qui reste dans la bouche. Ce n'est pas le. Les goûts de fruits, quoi, tu vois. Tu vois comme ça. C'est même lourd, même. C'est le jus de mangue et orange. Ok? C'est ça, les États-Unis. Alors, LKBA, toi aussi, avec ce genre de vidéos, tu n'as pas peur de faire ce genre de vidéos. Peur, pourquoi, si je parle des choses que moi, j'ai comme expérience. Premièrement, c'est manque de préparation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils viennent ici, ils n'ont pas eu le temps suffisamment de se préparer. Ils sont venus parce qu'il y avait une urgence, je comprends. Je comprends aussi, il y a aussi des gens qui n'étaient pas préparés, mais parce que quelqu'un de sa famille vient, lui aussi doit venir, il n'a pas eu le temps de se préparer, je comprends. Il y a aussi les gens qui sont venus pour travailler ici, les gens qui sont venus avec le visa de devis loterie, le visa de travail, le visa de religion, le visa de l'agriculture, le visa. Il y a tant d'autres visas ici. Alors, la manque de préparation, c'est une chose qui rend beaucoup de gens malades ici. Parce que quand tu viens ici, tu connais rien d'ici, tu connais pas comment les choses fonctionnent. Tu n'es même pas abonné sur ma chaîne pour savoir comment les choses ici fonctionnent ici aux États-Unis. Et quand tu vas venir ici, toi, tu pensais que c'était A et quand tu viens ici, tu trouves que c'était pas A, c'était B. Et il y aura un choc d'émotion et tu vas te perturber et tu vas te dire, c'était comme ça. Tu pensais que les États-Unis, c'est comme l'Europe, il y a beaucoup de métro, de bus. Et quand tu vas atterrir à Dallas, tu vois qu'il n'y a pas de bus. Il faut maintenant commencer à prendre le Uber, 40 dollars par jour, seulement pour les allers-retours. Et tu arrives maintenant dans le choc des réalités des États-Unis. Et souvent, il y a d'autres personnes qui tombent malades. Ils se disent, depuis que je suis venu, il n'y a pas moyen que je me déplace. Je suis toujours dans la maison. Et je n'ai pas l'application Uber chez nous. Et pour faire l'application Uber, c'est seulement avoir un compte Gmail. Mais ici, on me demande que je dois avoir un compte bancaire pour faire le Uber. Et tout cela-là. Choc d'émotion, la personne s'est dit non, moi je ne vais plus souffrir comme ça, moi je ne souffrais pas comme ça, je dois quitter, je dois aller au Canada. Deuxième point, malgérance du temps. Il y a les gens quand ils viennent ici, ils ne savent pas gérer leur temps. Ils viennent ici, dès qu'ils arrivent ici, ils disent wow, je suis arrivé en Amérique, enfin, je veux commencer même à manger du sable, je veux faire de n'importe quoi que je veux. Je suis déjà arrivé ici aux États-Unis, je suis ici, c'est fini pour moi. Et la personne gère mal son temps. Quand je dis mal gérer son temps, il faut savoir, quand je suis venu ici, quelles sont les choses les plus importantes pour moi ici.
Il faut avoir un chrono, il faut avoir. Ça sert même à rien d'avoir du coaching. Il faut avoir toi-même, tu dois être ton propre coach. Dire le 6 mois qui vient, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont mes objectifs pendant les 6 mois ici qui vient? Quels sont mes objectifs pendant les une année ici qui vient? Alors, les gens, ils pensent pas à ça. Quand ils arrivent ici, c'est la famille, ils veulent faire plaire à tout le monde. Il y a même des gens dans ta famille, depuis que tu es né, depuis que tu as grandi, ils n'ont rien contribué pour ta vie. Au moment le plus difficile, au moment que tu cherchais l'argent pour aller prendre ton visa, pendant que tu cherchais les sponsors, ils n'ont pas aidé. Ils t'ont pas aidé. Ils n'étaient là pas pour toi. Et quand tu demandais même l'argent pour aller faire ton passeport, et ils n'avaient pas de l'argent, mais ils travaillaient. Ils n'avaient pas du travail. Ils avaient du travail, mais ils n'avaient pas d'argent. Et maintenant, tu viens ici, tu veux faire plaire à tous ces gens-là. Et qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Tu vas commencer à beaucoup travailler. Parce que ici, ce n'est pas seulement le travail qui va te faire ici, mais il y a d'autres choses qui vont te faire ici. Parce que l'argent, ça va, mais l'argent ne va pas résoudre tous tes problèmes. Ok? Numéro 3, c'est mal gérance des finances. C'est par rapport même au numéro 2 que j'avais dit, mal gérance des finances. Donc, tu veux faire pleurer même aux enfants du quartier que tu es ici aux États-Unis. Tu te maries, mais il faut que tu fasses une grande fête. Tu appelles même tes oncles du village pour venir à Douala. Tu appelles même tes oncles là pour venir à Abidjan pour venir à Lomé pour le mariage coutumier. Les choses que tu ne pouvais pas faire quand tu étais en Afrique. Tu commences à dépenser, même envoie même l'argent à tes amis du quartier que tu jouais au football avec eux. Parce que ici, tu prends beaucoup d'argent et tu vois comme si il faut faire du n'importe quoi. Et les gens partent au supermarché, ils achètent de n'importe quoi, les choses qui ne sont même pas importantes, les choses qui ne sont même pas priorité pour eux, ils achètent parce que c'est moins cher. Moi aussi, j'ai toujours été tenté de cette manière. Tu vois les choses moins chères, tu te dis. Non, ça va finir, je dois acheter. Si je n'achète pas, ça va finir. Et ça fait que tu gaspilles trop. Et puis, et le grand problème, il y a aussi les gens qui disent, moi, souvent, je vois ici les cartes ici, on peut t'emprunter 5 000 $, on peut t'emprunter 10 000 $. Il y a les gens qui ont de l'argent, ils te disent, on veut t'emprunter de l'argent. Ils sont prêts à tout faire. Donc, ils te forcent même à prendre leur argent ici. On te force à prendre les cartons de crédit, on te force à prendre les choses en crédit, on te force. Et toi, un pauvre qui sait rien, parce que tu veux dire, mais moi, je ne t'ai pas préparé pour venir. Je suis venu parce qu'il y avait un problème. Ok, quand tu es venu, est-ce que tu as eu le temps pour s'asseoir et dire, ben, voilà, je suis ici, je vais causer avec les gens qui étaient ici auparavant, causer avec eux pour voir qu'est-ce que je peux faire, comment je vais commencer ma carrière, comment je vais commencer ceci, rien. Et tu commences à mal gérer ta finance. Et puis, tu vois comme les bateaux de Titanic, ça tombe. Tu dis, non, moi, je veux pas tomber, je veux m'accrocher là au-dessus. Et tu es là-bas au sommet, tu te vois comme si toi, tu es Sangoku, toi, tu es Goldberg, toi, tu es Chuck Norris. Mais les bateaux vont faire... Même si tu es l'échec même de tomber, mais tu tombes seulement. Et parfois, c'était même mieux de tomber avant parce que quand les autres personnes ont tombé avant là, il y avait même de petits bois pour s'accrocher. Il y avait même de petits plastiques pour s'accrocher. Et toi, tu étais là. Donc, tu attendais seulement ta mort subite. Alors, il y a aussi ce que j'ai toujours remarqué. J'ai même écrit ici pour ne pas oublier. Mauvais comportement. Il y a aussi les gens qui ont des mauvais comportements ici. Donc, mauvais comportement, il y a beaucoup de choses que j'écoute dans les mauvais comportements. Tu viens ici, tu tapes ta femme, la femme appelle les gens pour t'arrêter. Tu as déjà gâché. Et tu es ici, tu bagarres avec les gens. Tu es ici, il y a aussi les gens qui sont ici, ils sont spécialistes. Et toi, tu es ici, mais tu fais qu'aimer les femmes d'autrui. Et la communauté va te faire comme ça. Parce que la communauté, ce n'est pas seulement un groupe. Mais c'est les gens qu'on vit avec. Et tu vois, il y a des choses ici bizarres, très bizarres même. Et tu seras seul et puis tu seras rejeté. Et puis tu vas te sentir seul et tu vas commencer
tu vas commencer à devenir comme un vagabond et puis tu vas te dire, ah, là-bas les gens n'aiment pas. Il y a aussi d'autres personnes ici, ils ont de mauvais comportements, de juger les gens. Et c'est comme s'ils sont spécialistes parce que, et quand ils étaient venus, ils ont eu la chance, ils ont eu les documents du travail, les documents de ceci. Ils se voient comme si, et ils sont chefs de tout le monde, et ils sont bien, donc ils sont spéciaux que les autres, et minimiser la vie des autres et tout ça. Et puis les gens, pareil, tu sais déjà dans la vie, quand tu te mets déjà la tête ici au-dessus des épaules, et c'est difficile de réussir, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Parce que la personne qui peut t'aider, tu sais pas, ça peut être le petit là que toi tu négligeais, ça peut être ton... Tu vois même les gens qui... Vous avez même le même âge. Tu es même plus âgé que lui. Mais lui se voit comme si lui, il est plus âgé que toi parce que je ne sais pas si c'est quoi là. Donc lui, c'est quoi? Il est toujours plus âgé. Mais il est petit même. Mais il se voit plus âgé. Il se voit, il connaît tout. Mais souvent, il y a aussi parfois des clés de bénédiction des gens. Ça se retrouve dans le main de faibles. Et donc, il faut aussi faire attention à la façon que tu traites les gens, la façon que tu parles aux gens. La chose qui va compter plus, ce n'est pas parce que tu as beaucoup aidé les gens, mais la chose que les gens vont rester... l'image que les gens auront de toi, c'est ta façon de vivre, la façon d'être avec les gens, ta façon de se comporter, de parler en public. Et quand tu as des problèmes, ta façon de réagir, ça fait vraiment... Ça marque les gens vraiment. Alors, il y a beaucoup de gens, ils se sont mal comportés ici. Et quand je dis aussi comportement, ça fait partie aussi de manque de préparation, mal gérance du temps, mal gérance du finance, mauvais comportement. Et la chose la plus importante que moi j'ai toujours vu ici, avant que je dise la chose, c'est vraiment même ça la clé. La clé, c'est dans beaucoup de cas, c'est ça la clé. C'est ça la chose qui fait que beaucoup de gens quittent pour aller. La plupart des cas, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leurs proximes. Il y a les gens qui ont abandonné les crédits ici. Il y a les gens qui ont abandonné leurs voitures. Il y a les gens qui ont abandonné des enfants. Il y a les gens qui ont abandonné tout parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils ne savent pas comment un homme peut se préparer. Tu vas voir un gaillard, mais il a peur. Donc, peur à un niveau, tu dis, mais toi, tu es un gaillard comme ça. Tu vas voir une femme gaillard, mais peur de pérer et de pérer et de pérer, de pérer. Ils ont toujours peur. Et le cinquième point que je vais dire ici, avant que je dise ce cinquième point, mes amis, il faut d'abord s'abonner sur ma chaîne. Ma chaîne va totaliser bientôt une année. J'ai déjà presque 6000 abonnés. Quand j'avais eu 5000 abonnés, j'avais donné un iPhone. J'avais donné de téléphones. Il y avait même 10 ou 15 téléphones comme ça pour un ami gabonais. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'a pas retiré ses téléphones parce que les DHL m'avaient dit que je ne peux pas envoyer les téléphones en Afrique avec les batteries dedans. Il fallait enlever les batteries. Et la chose que je n'ai jamais aimée. Et la troisième personne, il avait gagné de l'argent. Et la personne qui avait gagné l'iPhone, c'était une personne qui habitait ici au pays, ici en Amérique, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. C'était facile pour moi d'envoyer avec les agences de Latinum. Alors maintenant, je vais dire le numéro 5. Vous êtes abonné, il faut s'abonner et liker. Maintenant, il faut liker et abonner. Donc, je veux voir la personne qui a beaucoup liké mes vidéos. La personne qui a beaucoup commenté mes vidéos, ce sont les gens qui vont gagner quand j'aurai 10 000 abonnés. Et pour les 10 000 abonnés, je ne sais pas, je vais mettre 100 $, 50 $, 1 000 $, 500 $, je ne sais pas. Mais je vais un peu penser sur ça. La cinquième des choses, la chose vraiment le commun qui fait que les gens puissent quitter, c'est même pas la peur, mais ça fait aussi partie. Indécis. Il y a des gens qui sont indécis, mais El Kabe, c'est encore quoi les mots indécis? Moi, je suis grandi en Angola, je ne sais pas le français. Mon ami, toi et moi, nous sommes des mêmes sacs, on est des mêmes emballages. Moi aussi, je ne connais pas le français, mais ce sont les mots courants. Indécis, ce sont les gens qui n'ont pas la décision. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas rester ou aller. Il y a beaucoup de gens qui ont des opportunités pour venir ici. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui découragent, mais les gens ne savent pas. Je vais faire quoi, oh, indécis. Ils ne savent pas s'ils restent. Ils disent toujours, si ça ne tient pas, je pars. Quand tu dis déjà que si ça ne tient pas, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir.
Tu sais pourquoi il y a beaucoup d'équipes africaines qui ne gagnent pas la Coupe du Monde ou ne gagnent pas de grandes équipes? Parce qu'ils disent, bon, ça ne va pas tenir. Parce que tu dis déjà, ça ne va pas tenir, ça ne va pas tenir. Mais quand tu te dis que moi, je n'ai pas d'autre choix, c'est si ou non, ou je gagne ou je meurs. Donc, je ne vais même pas des matchs nuls. Je ne suis pas venu pour le match. Je suis venu pour réussir. Je suis venu pour faire ce que moi, je voulais. Mon ami, si tu te mets ça en tête, tu te dis, voilà, moi, je suis venu pour ça. Tu vas réussir. Mais malheureusement, la plupart des gens se découragent, se disent que c'est si. Et tu vas voir quelqu'un qui vient ici après 3 mois. Ah, je suis fatigué. Je connais beaucoup de personnes qui viennent ici. Normalement, ce n'est pas vraiment permis, mais moi, je vois des gens faire des petits. Ce n'est pas vraiment travail, mais ce sont des petits copes, quoi. Hein, quelqu'un dit, ah, aide-moi un peu à soulever l'histoire, il se fout de là. Prends un peu $50, tu vois. Donc, beaucoup d'indécis. Alors, dans la vie, quand tu es indécis, ça ne marche pas. Ou c'est Jésus, ou ce n'est pas Jésus. Et ce n'est pas dit, non, je suis avec Jésus, si je suis mes bénis, pas je serai avec Satan. Et beaucoup d'immigrés ici, je vois ici, pas au Canada, et parce qu'ils ont pas, ils étaient pas, ils n'avaient pas la décision, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils veulent pour la vie. Et quand tu es un homme, tu es une femme, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux pour ta vie, c'est fauché. Et ce qui me fait toujours parfois mal, c'est quand je vois les grands garçons. Tu vois un garçon avec les barbes. Tu vois un garçon avec une grosse tête, fort, mais indécis. Tu n'as pas de choix, tu n'as pas de solution. Donc, c'est un conseil que je vais vous donner. Bientôt, c'est 2000, la fin de l'année. Si tu as des gens pareils dans ta vie, tu connais les gens. À chaque fois, tu causes avec et dis toujours que je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va, je ne sais pas. Je pense que tu vois seulement quelqu'un qui est trop négatif dans la vie. Un ami, cet ami-là, l'ami est toujours très négatif. Mon ami, il faut s'éloigner. Hein. Il faut s'éloigner des gens qui sont négatifs dans la vie. Il faut s'éloigner même des gens qui sont vraiment négatifs. Donc, c'est un peu pour ça, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour votre fidélité. On est déjà 6000 abonnés. Je crois en vous. Je crois qu'on aura encore d'autres abonnés. Le jour que j'aurai 10 000 abonnés, je vais encore donner des cadeaux, mais je n'ai pas encore déterminé. C'est pour cela, abonnez-vous, likez toutes mes vidéos. Merci beaucoup.